tu te sens comme un héros? Plutôt comme un mutant. Il va pas me pousser une queue de poisson et des nageoires, j'espère. Y a peu de chance. Mais un ego surdimensionné, c'est pas impossible. Tu sais, t'aurais pu me tuer là-bas. J'aurais pu mourir si j'avais été normal. Mais tu l'es pas. J'ai l'impression que tu ne m'aimes pas beaucoup. C'est possible. Je veux dire, nos parents se détestent. Attends, c'est vrai? Mm-hmm. Il est clair que j'ai des sentiments forts à ton égard. Je n'ai pas encore décidé s'ils sont positifs ou négatifs, voilà tout. Eh ben, tiens-moi au courant, dès que tu sauras. Tu seras le premier à le savoir. Kate. Je ne sais pas si je devrais te dire ça. Je ne veux accuser personne. Mais de quoi tu parles? Tu as dit que... quelqu'un avait nettoyé la douche quand t'es retournée voir et que... ce quelqu'un n'est peut-être pas lui-même. S'il te plaît, Juliette. Viens-en au fait. Après le crash, je crois que j'ai vu Colin sortir des douches et il avait quelque chose dans la main et ça aurait pu être une serviette, un chiffon ou de quoi laver. Kate, j'en suis pas sûre, mais il y a de grandes chances que ce... Ça va, Georges? Ah, pardon. T'es en méditation, un truc comme ça? Non, 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 viens près de moi. T'avais pas envie de faire la balade de nuit avec tout le monde? Non, non, j'ai besoin de prendre un peu de répit ce soir. Ouais. C'est par une volonté céleste, peut-être, qu'on est là tous les deux, en cet instant. Oh, ben, oui, c'est chouette. Je vois que tu as une âme généreuse. On va... Est-ce que c'est... C'est tantrique, un truc du genre? Je vais avoir mon bébé, Georges, ouais. Quoi? Putain, non, non, tu vas pas l'avoir, ah, non. Si, je vais l'avoir, Georges. Oh, non, 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 arrête de faire ça. Non, on n'arrêtera plus rien, mon bébé a commencé son voyage. Oh mon Dieu. Bon alors, j'appelle l'hôpital. Non, inutile. C'est moi qui vais le faire toute seule. Non, c'est une mauvaise idée. C'est la meilleure idée que l'univers nous ait jamais transmise. Oh. C'est l'événement le plus naturel que puisse vivre quelqu'un. Je vais chercher Audrey. Non! T'inquiète pas, il va arriver. Regarde la pleine lune là-haut. Elle est lumineuse! Oh là là! Allez! Oh! Oh, oh merde! Ah. Je m'ouvre comme une fleur de lotus. Oh, mon Dieu. Oh. Je m'évanouis! Tu te sens bien? Je m'évanouis. Ouais? Bienvenue chez toi. Oh, oh, attends. Première règle d'une bonne stratégie, ne laisse jamais ton adversaire te distraire.